Mesdames, messieurs, bonsoir. Ravi de vous accueillir sur France 3 Corse via ST, là aux côtés de Jean Vitus Albertini. Bonsoir. Bonsoir. Qui représentera notre île à l'Assemblée nationale? Les Corses étaient appelés aux urnes aujourd'hui pour choisir les 4 députés qui siégeront au Palais Bourbon pour les 5 années à venir. 43 candidats, 4 circonscriptions pour 4 sièges. Donc, toute la soirée, nous vous ferons vivre ce premier tour des élections législatives. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h, 3 heures d'émission spéciale lors desquelles nous rejoindrons nos journalistes en direct. Direct des quatre coins de l'île, à Bastia, Ajaccio, Porto Vecchio, Corte, Moriagne ou encore Ambalagne. Dans quelques minutes maintenant, nous serons en mesure de vous livrer une première estimation, analyse et décryptage à l'appui. Et puis en deuxième partie de soirée, nous accueillerons des invités, les principaux intéressés, pour recueillir les premières réactions. Tout cela bien sûr main dans la main avec Laurent Michentin et nos équipes installées sur la place du marché à Bastia, que nous rejoindrons régulièrement pour faire le point sur la Haute-Corse. Une soirée que je vous rappelle, vous pouvez également suivre sur notre site internet et les réseaux sociaux. Et avant de découvrir les premières estimations, un indicateur très important, c'est celui du taux d'abstention. En Corse, il s'établirait aux alentours de 55,8%. C'est 5 points de plus qu'en 2017. Et voyons maintenant le détail pour chacune des 4 circonscriptions. Dans la première de Corse du Sud, 53,7% d'abstention, 57,7% dans la deuxième de Corse du Sud. Le taux d'abstention le plus élevé, on le retrouve dans la première circonscription de Haute-Corse, celle de Bastia, 58,9%. Et enfin, c'est dans la deuxième circonscription de Haute-Corse, celle de Corte-Balagne, où l'on a le plus voté, même si l'abstention reste importante, avec un taux de 52,5%. Jean Vitus, les différents scrutins s'enchaînent et le désintérêt des citoyens semble se confirmer. Oui, vous l'avez dit, en 2017, cette abstention avait atteint une moyenne en Corse de 50,9% sur l'ensemble de l'île. Ajaccio battait le record avec 54,3%. Aujourd'hui, cette participation est supérieure de plus de 5 points. Près de 56% des Corses sont abstenus et c'est Bastia qui détient la palme avec 58,9%. C'est plus que la moyenne nationale, ce score, et c'est un élément nouveau. Alors c'est une abstention, vous l'avez dit, hein, qui va crescendo depuis 2002, au moment où l'élection présidentielle précédait l'élection législative. Eh bien, l'électorat doit considérer qu'une fois la présidentielle passée, le reste, ce n'est plus qu'une formalité. Alors, à tort ou à raison, les membres de LFI se sont échinés à démontrer que ce n'était pas le cas, que les jeux n'étaient pas faits. Mais visiblement, l'électorat, lui, a l'air de considérer que le président de la République aura la majorité. Reste à savoir si elle sera relative ou absolue. Et puis, il y a aussi des causes hein, qui sont plus générales, qui ne sont pas propres à la Corse. On le répète à chaque fois, la lisibilité politique de moins en moins évidente, les partis qui n'ont plus de rôle prédominant, les changements de pied des élus qui passent d'un parti à l'autre, un parti parfois opposé. Tout cela accentue la confusion et puis le désintérêt des électeurs de façon générale et particulièrement des jeunes qui ne voient pas dans l'élection, dans le combat politique électoral, de perspectives vraiment évidentes. Alors tout cela est connu, on l'a répété depuis des années. Pour l'instant, aucune force politique n'a trouvé le remède à cette situation. Merci Jean-Vitus pour cette première analyse. Et à quelques minutes de l'annonce des premières estimations, débutons notre tour de Corse pour prendre la température dans les différents bureaux de vote de l'île. Et on vous retrouve, Laurent Vincenzini, vous êtes en direct de Bastia. Bonsoir Laurent, toute la soirée. Vous reviendrez donc sur les enjeux concernant les 2 circonscriptions de Haute-Corse. Bonsoir Marianne, bonsoir à tous. Effectivement, en Haute-Corse, les 2 sortants sont nationalistes, vous le savez. Ils portent la bannière de Fais Moi Gour, Siga. Au-delà de leur destin politique personnel, Jean-Félix Acquaviva et Michel Castellagne portent aussi le flambeau du siméonisme, celui des autonomistes. À l'acmé, cette tendance va-t-elle se maintenir? C'est aussi un enjeu de ces législatives. Et cela déterminera aussi le poids de Gilles Siméon avant de nouer des négociations avec Paris dans les prochaines semaines. La droite classique, elle, est absente de la première circonscription alors qu'elle avait gagné 6000 voix avec le sortant Sauveur Gandolfichette en 2017. Dans la deuxième circonscription, c'est François-Xavier Tchekoli qui porte son drapeau.
Le maire de San Giuliano parviendra-t-il à la réinstaller dans le paysage politique de la Haute-Corse? C'est une vraie question. Et puis, il y aura aussi l'enjeu majorité présidentielle avec Jean-François Paoli dans la première circonscription. Comment se comporteront aussi les électeurs du RN et de la France insoumise, eux, forts de leur réussite lors de la présidentielle, la dernière présidentielle? Est-ce qu'ils parviendront à transformer cette réussite dans une élection plus locale que constitue la législative? Et pour tout cela, nous aurons plusieurs points de direct. Nous serons à Corté, nous serons en Balagne, nous serons en pleine orientale et vous l'avez dit également au bureau centralisateur de Bastia. Merci Laurent, on vous retrouve dans un instant et il est désormais 20h. Nous sommes en mesure de vous livrer les premières estimations concernant à présent 3 circonscriptions sur 4 et on commence tout de suite avec le Sud. Dans la seconde circonscription de Corse du Sud, c'est le député nationaliste sortant Paul-André Colombani qui sortirait largement en tête avec 36% des suffrages. Sur le podium du second tour, on retrouverait Valérie Boz, la candidate de droite soutenue par le parti Horizon qui récolte 25,5%. En troisième position, le candidat du Rassemblement national, François Filogni, qui est à 16,6%. Juste derrière, le parti Reconquête avec Olivier Battistini, 5,1%. Les autres candidats ne passent pas la barre des 5%. Pour ce qui est de la première circonscription de Corse du Sud, celle d'Ajaccio, la seule où, je vous le rappelle, le sortant ne se présentait pas, c'est le maire de la ville, Laurent Marcangeli, qui est parti sous la bannière Horizon et qui arriverait en tête de ce scrutin avec 34% des suffrages. Suivrait Romain Colonne, le candidat de la majorité territoriale, qui recueillerait quant à lui 17,6%. Nathalie Antona pour le Rassemblement national, 12,5%. Cinquième, l'autre candidat nationaliste, Jean-Paul Carolage, qui obtiendrait 12,3%. Michel Moticonage, candidat divers centres, 9,4%. 5,3% pour le candidat de la France insoumise, Robin Demare. Les autres se partagent le reste des suffrages. Voyons à présent ce qu'il en est en Haute-Corse. Dans la première circonscription, celle de Bastia, le député sortant Michel Castellani s'offre à nouveau une place pour le second tour avec 33,2% des suffrages. Et le duel n'est pas encore déterminé puisque sont à égalité dans un mouchoir de poche Julien Morgant, le candidat divers centres, Jean-François Paoli ainsi qu'Alexis Fernandez pour le Rassemblement national. Suivrait l'autre nationaliste en lice, Petranto Tomasi, qui obtient 7,4%, Dominique Moni pour la France insoumise, ainsi que Michel Stefani pour le Parti communiste serait autour de 6%. Nous attendons encore des estimations affinées concernant la deuxième circonscription de Haute-Corse. Et je vous rappelle qu'il ne s'agit là que d'estimations que nous affinerons tout au fil de la soirée, des estimations que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Et on va maintenant prendre la direction de Porto Vecchio, fief du député sortant Paul-André Colombani, pour évoquer donc la deuxième circonscription de Corse du Sud. François-Albert Bernard dit bonsoir. Paul-André Colombani serait donc qualifié pour le second tour et largement en tête. Une première réaction peut-être? Alors oui, on va pas tarder à avoir une première réaction de Paul-André Colombani, mais ici le marqueur principal de cette élection à Porto Vecchio, c'est l'abstention. Avec à peine 35% de participation ce soir, et c'est 2/3 finalement des électeurs portovéquais qui ne sont pas venus aux urnes. Mais finalement, Paul-André Colombani ici à Porto Vecchio réalise presque 600 voix de plus qu'au premier tour lors des législatives en 2017. Alors à l'époque, ici à Porto Vecchio, c'était Camille de Rocazer qui s'est sorti en tête de cette élection au premier tour. C'est donc la première fois qu'un nationaliste sort en tête au premier tour aux législatives ici à Porto Vecchio, justement Paul-André Colombani. Comment vous voyez cette soirée électorale? Plutôt pas mal, plutôt bien, parce que bien évidemment on n'a pas encore tous les résultats au moment où on parle, je ne les connais pas tous, ça vient de tomber pour la plupart, donc on semble conforter et stabiliser largement nos places fortes, creuser un bel écart sur ce premier tour, visiblement, et donc moi j'appelle mes amis à se mobiliser encore une semaine pour concrétiser cette victoire. Justement, aujourd'hui, est-ce que vous avez réussi à quand même mobiliser? On le voit, l'abstention quand même est très forte ici à Porto Vecchio. Oui, mais en valeur absolue, on retourne tout de suite des voix de 2017. C'est ça l'essentiel. Et même chez moi, à Tsonde, ça et de partout dans le sud, on améliore très largement nos scores.
Et donc, je ne suis pas inquiet ce soir, au contraire, bien au contraire, je suis très optimiste pour ce deuxième tour qui s'annonce. Bon, ce n'est pas gagné, il reste une semaine pour mobiliser, il y a du monde à mobiliser, bien évidemment. Mais voilà, je suis même très heureux du score qui est visiblement vers lequel on s'achemine dans le 6e canton Ajaccio, où malgré une très forte abstention, on est quasiment au niveau de 2017. 6e canton Ajaccio, où il y a un très fort score de François Filogne. Comment vous percevez ce score sur votre circonscription ? C'est terre d'élection. Donc, François Filogne est originaire de ce quartier-là, a longtemps travaillé dans ce quartier-là comme élu. Il a passé un peu tous les partis pour travailler là. Donc, il est mieux implanté que nous, ça c'est normal. Donc, après, on verra sur ce second tour ce qu'il en est. Je n'ai pas les chiffres pour savoir s'il y a une triangulaire ou pas aujourd'hui. Ça m'étonnerait vu le taux de participation, mais bon voilà. Nous, on va continuer à travailler dès lundi, ce 6e canton. Merci beaucoup pour André Colombat. Et nous sommes désormais en mesure de vous donner les estimations concernant la deuxième circonscription de Haute-Corse, celle de Corte-Balagne. Et ce serait une surprise puisque pour l'heure, c'est le candidat de droite François-Xavier Tchekol qui serait en tête avec un peu plus de 32% des suffrages. Suivrait le député sortant nationaliste Jean-Félix Acquaviva. Nous vous donnerons tout à l'heure plus en détail le reste des résultats. Et voyons à présent ce qu'il en est pour la première circonscription, celle de Bastia. Je vous le disais tout à l'heure, le député sortant Michel Castellani s'offre à nouveau une place pour le second tour. 33,2% des suffrages sont à égalité. Le duel n'est pas encore déterminé. Julien Morgante, le candidat divers centres, ainsi que Jean-François Paoli et le RN, incarné par Alexis Fernandez, suivrait l'autre nationaliste en lice, Pietranto Thomas, qui obtiendrait 7,4%. Et puis juste derrière, Dominique Mauny pour la France insoumise, ainsi que Michel Stefani pour le Parti communiste, qui serait autour de 6%. Et on va retrouver tout de suite, Laurent Vincenzini en direct de Bastia pour donc analyser et commenter ces résultats surprenants, notamment dans la deuxième circonscription de Haute-Corse. Laurent. Effectivement, Marianne, il faut parler avec beaucoup de précautions. Nous sommes au stade des estimations. Il y a une trentaine de bureaux de vote dans chaque circonscription, des bureaux test qui remontent les premiers dépouillements, puis il y a des projections. Et à 7h, notre partenaire Ipsos Soprasteria place François-Xavier Tchekol, divers droite, en tête dans la deuxième circonscription de Haute-Corse, devant le sortant Jean-Félix Acquaviva. On va se dire vers Moriagne, lieu de la permanence de François-Xavier Tchekol. Je crois qu'il est avec Paul Salor d'ores et déjà. Peut-on s'y rendre ? Oui, je crois que Paul est avec François-Xavier Tchekol. Oui, Laurent, nous sommes avec François-Xavier Tchekol. Nous sommes avec François-Xavier Tchekol qui arrive en tête de ce premier tour. C'est une surprise. Quelle est votre première réaction ? Ben écoutez, la joie et surtout la reconnaissance envers toutes les électrices et les électeurs qui se sont portés sur moi. Nous voulions incarner une autre manière de faire la politique, de mettre les préoccupations des Corses au centre du jeu. Et je suis très heureux ce soir de voir qu'ils nous ont portés en tête au premier tour. Ce n'est jamais que le premier tour, mais on est très heureux en tout cas de ce résultat pour l'instant provisoire. Vous avez d'ores et déjà des résultats de certaines communes. Où s'est jouée cette victoire au premier tour pour vous ? Ben écoutez, j'ai l'impression qu'elle s'est jouée un peu partout, hein, puisque d'abord je mettrai en avant le score de ma suppléante et de Calvi avec ce magnifique score à Calvi qui est tout simplement exceptionnel. Ensuite, en toute humilité sur la plaine, hein, où on voit que depuis Monte et jusqu'au sud, on est très bien. Et puis après, dans l'intérieur aussi, où vraiment je crois qu'on a réalisé quelque chose de très correct un peu partout, avec bien sûr des points forts sur les grandes communes quand même. Alors tout de suite va s'engager la campagne pour le second tour de scrutin. Lionel Mortigny est le troisième homme de cette élection avec 16% des voix selon notre estimation Ipsos. Vous lui tendez la main on a entendu des critiques de Lionel Mortigny à l'égard du député sortant, des critiques que vous partagez. C'est autour de ces critiques de certaines pratiques, vous pensez qu'il y a un rassemblement possible même si les opinions politiques divergent ? Écoutez, moi je ne sais pas si on peut parler de rassemblement. Moi je reconnais à Lionel Mortigny, et je le dis vraiment en toute franchise, d'avoir eu un courage politique rare.
Il a su dire des vérités, il a su attaquer ce qui n'allait pas même dans son camp, donc ça s'appelle la franchise, c'est l'honnêteté, et je pense que comme il a été franc et honnête, il continuera sur cette voie, et bien sûr, moi ce que je ferai, je parlerai aux électeurs pour continuer de leur proposer une autre voie, et surtout de revenir en arrière sur tout ce qui a été fait là pendant cette campagne, avec quand même, on ne peut pas dire le contraire, ces promesses électorales, ce clanisme qui a été tellement dénoncé et qui aujourd'hui a été à l'œuvre dans la circonscription. Vraiment, il faut qu'on sorte de ça. Merci beaucoup François-Xavier Tchécol. Voilà, Laurent, alors ici, à Morian, François-Xavier Tchécol est toujours à sa permanence. Il va vous rejoindre sur le plateau tout à l'heure pour une réaction avec un peu plus de recul et avec des estimations un peu plus affinées. Mais il est pour l'heure en tête dans la deuxième circonscription de Haute-Corse. Merci Paul. Effectivement, François-Xavier Tchécol sera sur ce plateau en compagnie d'autres invités un petit peu plus tard dans la soirée. Je vous propose d'ailleurs de découvrir notre estimation dans cette deuxième circonscription de Haute-Corse qui place à 7h François-Xavier Tchécol avec 32% des voix en tête de ce premier tour. Il devance de quelques voix Jean-Félix Acquavi, crédité de 31,3%. Lionel Mortigny, près de 16%. Derrière Jean Cardi, autour de 12%. Puis les autres candidats que je vous laisse découvrir. On avait senti effectivement qu'il se passait peut-être quelque chose autour de François-Xavier Tchécol à l'issue de son meeting en pleine orientale jeudi dernier, où il y avait notamment les maires de droite de Calvi, de Corté et de Ghisonaccia. Et ça s'est retrouvé dans les urnes. Je vous propose de redécouvrir, avant de gagner le bureau centralisateur de Bastia, notre estimation de la première circonscription de Haute-Corse. Et cette fois, le sortant, Michel Castellagne, est largement en tête, 33,2%. Et il devance un trio composé de Julien Morganti, divers centres, le Rassemblement national, Alexis Fernandez, le Benjamin de ce scrutin, Jean-François Paoli qui porte les couleurs de la majorité présidentielle. Ensuite, un autre peloton qui est en premier de ce peloton, c'est Pedranto Tomasi de Corsica Libre, crédité de 7,4%. On trouve ensuite Dominique Moni, Michel Stefani et Jean Lamberti. Et je vous laisse découvrir ce qui ferme la marche dans ce scrutin. Pierrick Nadini, vous êtes au bureau centralisateur de Bastia. Quelle est l'ambiance? Comment on a accueilli ces premières estimations? Michel Castellani, qui n'était pas sortant la fois dernière, avait réalisé autour de 30%. Cette fois, c'est autour de 33%. Est-ce accueilli comme une petite victoire dans ce premier tour? Comment on accueille les choses? Comment on accueille cette estimation dans les rangs de Michel Castellani? Écoutez, Laurent, on est très loin de l'ambiance, par exemple, qui régnait dans la permanence de François-Xavier Tchécol. Ici, il y a peu de monde, très peu de monde, pour tout vous dire. Quelques militants de Fémagour, ces gars élus municipaux. Et pour vous parler de l'ambiance, les visages sont plutôt moroses, tendus. On est encore en train de collecter les derniers résultats, mais il n'y a pas eu d'explosion de joie, loin de là, à l'annonce de l'estimation de Michel Castellani. Il y a aussi beaucoup d'inquiétudes en ce qui concerne la deuxième circonscription de Haute-Corse et l'autre député sortant de Fémagour, ces gars Jean-Félix Acquavure. Pour le moment, personne ne veut s'exprimer, mais on lit sur les visages un certain nombre quand même d'inquiétudes, malgré l'avance que peut avoir Michel Castellani dans cette première circonscription de Haute-Corse. Voilà pour l'ambiance. Pour le moment, Laurent, on est très loin des autres circonscriptions. Il y a un chiffre à retenir dans cette première circonscription de Haute-Corse, c'est plus 5% quant à l'abstention par rapport à 2017. Et ça aussi, c'est important, Marianne. Merci Laurent pour ces premiers commentaires. On revient vers vous très vite. Et je vais vous redonner maintenant les estimations concernant donc les deux circonscriptions de Corse du Sud. Et on commence avec la deuxième circonscription, celle de Porto-Vé, qui est le député nationaliste sortant, Paul-André Colombagne, qui sortirait largement en tête avec 36%. Sur le podium du second tour, on retrouverait Valérie Boz, la candidate de droite, 25,5%. En troisième position, le candidat du Rassemblement national, François Fillon, qui obtiendrait 16,6%. Juste derrière, le parti Reconquête avec Olivier Battistini, 5,1%. Les autres ne passent pas la barre des 5%. Et puis, dans la première circonscription de Corse du Sud, celle d'Ajaccio, la seule où le sortant ne se présentait pas, c'est le maire de la ville, Laurent Marcangeli, parti sous la bannière Horizon, qui arriverait en tête de ce scrutin avec 34% des suffrages, suivrait les deux candidats
candidat nationaliste, non, suivrez, un candidat nationaliste, Romain Colonne, le représentant de la majorité territoriale, qui recueille 17,6%. Juste derrière, Nathalie Antonat pour le Rassemblement national, 12,5%. Cinquième, l'autre candidat nationaliste, Jean-Paul Carolage, qui obtiendrait 12,3%. Michel Mossigonage, candidat divers centres, 9,4%. Et puis 5,3% pour le candidat de la France insoumise, Robin Desmarais. Voilà, il est maintenant presque 20h15. Vous restez en notre compagnie. La soirée spéciale législative se poursuit juste après ce générique. Il est 20h15, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 3 Corse via télémission jusqu'à 23h consacrée au premier tour des élections législatives. Et je vous donne tout de suite les estimations de notre partenaire Ipsos Soprasteria concernant ce premier tour des élections législatives. Ce soir, dans les quatre circonscriptions, il n'y aurait que des duels. Et on commence avec la seconde circonscription de Corse du Sud, celle de Porto Velho, le député nationaliste sortant Paul André Colombagne sortirait largement en tête avec 36%. Sur le podium du second tour, Valérie Bozzi qui affrontera donc Paul André Colombagne la semaine prochaine. La candidate de droite obtient 25,5%. Ne sont pas qualifiés le candidat du Rassemblement national, François Fillon, qui obtiendrait 16,6%. Juste derrière, le parti Reconquête avec Olivier Battistini, 5,1%. Les autres candidats ne dépassent pas la barre des 5%. Et puis, dans la première circonscription de Corse du Sud, celle d'Ajaccio, un autre duel qui opposera la droite à un nationaliste. Laurent Marcangeli, parti sous la bannière Horizon, arriverait en tête avec 34% des suffrages. Suivrait le candidat de la majorité territoriale, Romain Colonne, qui recueillerait quant à lui 17,6%. Suivrait Nathalie Antonat pour le Rassemblement national, 12,5%. Cinquième, l'autre candidat nationaliste, Jean-Paul Carolage, qui obtiendrait 12,3%. Michel Mossigonage, candidat divers centres, 9,4%. 5,3% pour le candidat de la France insoumise, Robin Desmarais. Voyons à présent ce qu'il en est en Haute-Corse et dans la première circonscription, celle de Bastia. Le député sortant Michel Castellani s'offre à nouveau une place pour le second tour avec 33,2% des suffrages. Et le duel pour ce second tour n'est pas encore déterminé puisqu'il devance un trio composé de trois candidats sont à égalité. Julien Morganti, le candidat divers centres, Jean-François Paoli, investi par la majorité présidentielle, et le Rassemblement national porté par Alexis Fernandez. Suivrait un autre nationaliste en lice, Petranto Thomas, et qui obtient 7,4%. Enfin, Dominique Moni pour la France insoumise et le Parti communiste de Michel Stéphanie sont autour de 6%. Une surprise pour l'heure concernant la deuxième circonscription de Haute-Corse où François-Xavier Tchéco, le candidat de droite, arriverait en tête de ce premier tour avec 32% des suffrages. Pour l'heure, un point seulement le séparerait du député nationaliste sortant Jean-Félix Acquaviva à 31,3%. Le troisième homme de cette élection, ce serait Lionel Mortini, 15,9%. En cinquième position, Jean Cardi pour le Rassemblement national, 12,9%. Le Parti communiste, 6,5%. Les autres ne dépassent pas la barre des 5%. Jean Vitus Albertine, une première analyse, un premier commentaire sur ces estimations que nous allons affiner, bien sûr, au fil de la soirée. Alors, en 2017, c'était le mot dégagisme qui était à la mode. Cette fois-ci, ce serait plutôt celui d'une continuité relative à l'exception d'une circonscription. Et ça, ça prévaut au soir du premier tour. On verra ce qu'il en sera la semaine prochaine. En effet, dans les quatre circonscriptions de l'île, trois des quatre députés sortants arrivent en tête plus ou moins nettement. Alors, le dernier qui n'était pas sortant, mais qui a pris la suite de Jean-Jacques Ferrara, c'était Laurent Marcangeli, vire très largement en tête au premier tour avec 34%.
4% des voix. Ses concurrents sont loin derrière. Alors avec une participation moindre qu'en 2017, c'est-à-dire une participation faible, 44% à peine, on se trouve dans une configuration qui place certes trois des sortants ou presque en tête avec un jeu ouvert dans au moins deux circonscriptions. Alors globalement, les deux députés nationalistes, malgré les divisions en leur sein, maintiennent leur position. Deux d'entre eux, à Bastia et à Portuguetu, les améliorent en pourcentage. C'est donc de ce point de vue, il n'y a pas de changement. Alors c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus incertain dans la deuxième circonscription de la Haute-Corse, où Jean-Félix Ahakoui est devancé par le candidat de droite François-Xavier Tchéco. Il perd 5 points depuis 2017. Alors ça, c'est pour les nationalistes. La droite, même si elle concourait sous diverses couleurs, sera présente au second tour dans les trois circonscriptions où elle présentait un candidat. Je vous rappelle qu'elle était absente à Bastia. Alors elle est de partout au-dessus de 25% des suffrages. Alors elle marque ainsi son rôle d'opposant numéro 1 aux représentants de la majorité territoriale. Et puis il y a un autre élément à retenir quand même de ce scrutin, c'est une nouveauté, c'est le score du Rassemblement national qui dépasse tout ce qu'on avait pu voir jusqu'alors. Il réalise aujourd'hui des scores entre 12 et 16% à chaque fois. Son meilleur score, il l'obtient dans la deuxième circonscription de la Corse du Sud, où François Filogne arrive avec 16% des voix. Enfin, la gauche, ben, elle est toujours très faible. Hein. Les scores de ses candidats oscillent entre 2 et 6,5% pour le Parti communiste. Or, il est vrai qu'il y avait une multitude de candidats. Il y en avait 13 dans les quatre circonscriptions. Il n'y avait pas d'accord NUPES en Corse. Et puis, c'est un programme qu'elle portait, celui des structures nationales, auxquelles les uns et les autres étaient plus ou moins affiliés et sans spécificité aucune. Visiblement, la gauche n'a pas encore réalisé, ne s'est pas remise en tout cas de ses échecs à partir de 2015 au plan territorial et puis aux élections municipales qui s'en sont suivies. Et on y reviendra tout à l'heure avec nos invités. Merci beaucoup, Jean Vitus. On va s'intéresser maintenant à la deuxième circonscription de Corse du Sud. Et on va partir à Grosseto-Prugna, chez la candidate de droite, Valérie Bodi, qui sera en duel dimanche prochain face au député sortant Paul-André Colombagne. Valérie Bodi qui obtiendrait donc 25,5% selon nos premières estimations Ipsos Soprasteria. Marie-France Giuliani, bonsoir. Vous êtes aux côtés de Valérie Bodi. Oui, bonsoir. Nous sommes à Grosseto-Prugna. Valérie Bodi ne va pas tarder à proclamer les résultats définitifs des 5 bureaux de Grosseto. Vous sortez en tête, évidemment, sur votre commune et vous êtes deuxième sur cette deuxième circonscription avec quand même 10 points de moins que votre concurrent nationaliste, le député sortant. Votre réaction ? Écoutez, d'abord, c'est évidemment un plaisir pour moi de constater que les électeurs de ma commune m'ont encore témoigné de leur soutien. Donc ça, je les en remercie chaleureusement. Et puis évidemment, je suis ravie d'être dans ce second tour qui m'opposera aux députés sortants et où nous avons, je pense, beaucoup de choses qui nous opposent. Et nous pourrons ainsi confronter son bilan qui est très absent et les propositions que nous formulerons pour cette mandature à venir qui sera décisive pour l'avenir de la Corse. Reste que finalement vous avez très peu mobilisé, même dans votre commune il y avait 52% de votants, il y a des endroits comme aux Salines où il y a 71% d'abstention, ça veut dire que ça va être là surtout votre réservoir de voix, vous avez déjà une petite idée vers qui vous allez essayer de tendre la main pour ce deuxième tour? Évidemment, le travail sur les abstentionnistes, c'est le travail qui commencera dès demain. Par ailleurs, vous partez quand même un peu en outsider. Ça veut dire que vous savez bien que vous n'alliez pas vous retrouver au Palais Bourbon. C'est un petit regret ? Non, je pense qu'au contraire, là, au second tour, tout reste encore possible. L'écart qui nous oppose, je pense qu'il peut largement être rattrapé. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas venues voter sur ce premier tour, qui se mobiliseront, je pense, pour le second tour, pour justement faire changer la vision de notre circonscription et de la Corse. Donc non, au contraire, je suis très confiante pour ce second tour. Vous avez regardé sur Porto-Vec, vous avez eu l'impression d'avoir le soutien de la droite du Sud ? Oui, je pense qu'il y a eu le soutien de la droite et qui devra bien sûr s'accentuer pour ce second tour sur les abstentionnistes, sur les personnes qui attendaient de voir évidemment comment se positionnerait aussi le Rassemblement national et Baptistine qui était aussi en lice. Donc évidemment, il y a tout ce travail-là qui commence à partir de demain. Merci, Madame Bodi. Nous allons la retrouver tout à l'heure sur le plateau aux côtés de Jean Vitus et de Marianne Romani.
Tout à fait, Marie-France. Merci beaucoup pour cette première réaction de Valérie Boz. Il y a les directions Ajaccio maintenant, la ville de Laurent Marcangeli. Dominique Moret, bonsoir. Vous êtes en direct du bureau centralisateur. Le candidat du Parti Horizon est donné à 34% selon les premières estimations. Comment ce score est-il accueilli ce soir et avez-vous de premiers résultats concernant la cité impériale ? Alors Marianne, ce score est accueilli avec satisfaction par l'ensemble des partisans de Laurent Marcangeli qui sont rassemblés ici et dans le hall de la mairie où les résultats continuent d'affluer, les résultats des quelques 29 bureaux de la ville. En revanche, il n'y a pas eu d'explosion de joie non plus. Peut-être s'attendait-il à un résultat plus élevé. On constate que pour l'heure, 20 bureaux sur 29 ont été dépouillés et Laurent Marcangeli totalise 36,5% des voix. C'est plus ou moins ce qu'avait totalisé Jean-Jacques Ferrat il y a 5 ans sur cette circonscription. Alors arrive en second Romain Colonne avec 13,29%, mais bien sûr, je vous le disais, ce sont des résultats partiels et concernant les trois suivants, c'est un petit peu des résultats très serrés, hein, puisque Romain Colonne était à 13,29%, Nathalie Antonat pour le Rassemblement National à 12,45% et Jean-Paul Carolaggi à 11,9%. Les résultats fluctuent beaucoup en fonction des bureaux qui arrivent, suivant que les bureaux sont plus ou moins à l'est ou à l'ouest de la ville, c'est plus ou moins le Rassemblement National ou la droite ou les nationalistes qui capitalisent. On constate que Michel Mozzigonacci est aux alentours de 9% et Romain Demary à 5%. Les autres candidats ne franchissent pas la barre des 5%. On sait que dans un petit moment, Laurent Marcangeli, lorsque tous les résultats seront arrivés, devrait proclamer les résultats et faire une déclaration. Laurent Marcangeli qui siégerait, vous l'avez dit, aux côtés de la majorité présidentielle s'il était élu dimanche prochain. Merci beaucoup Dominique et on reviendra naturellement vers vous dès que Laurent Marcangeli prendra la parole. Pour l'heure, nouvelle escale du côté de Bastia où on vous retrouve Laurent Vincentin pour revenir sur ses résultats dans les deux circonscriptions de Haute-Corse. Et tout d'abord, Marianne, je vous propose de jeter un œil sur la première circonscription de Haute-Corse. Nous vous donnions, lors de notre première estimation, le sortant Michel Castellani en tête. C'est confirmé avec 33% sur cette nouvelle estimation. Et se détache du trio qui pourrait aller au second tour, Julien Morganti, avec 13% des suffrages exprimés. Devant Alexis Fernandez, 12,5%, et Jean-François Paoli, 12%. Attention, ce sont des estimations, mais à 7h, c'est bien Julien Morganti qui figurerait au second tour face au député sortant Michel Castellagne. Pierrick Nanini, je crois que vous êtes du côté du bureau centralisateur avec justement le député sortant Michel Castellagne qui est à vos côtés, c'est cela ? 597 suffrages. C'est tour Léon et Christine, 80. Alors écoutez, Laurence, on en est à la proclamation des résultats. Je vous laisse écouter. Bravo Michel Castellani, vous êtes en tête à la charge largement. Michel Castellani, bonsoir. Une première réaction, donc vous êtes en tête sur la ville de Bastia avec 30 et quelques pourcents. Au niveau de la circonscription, selon l'estimation, vous cumulez environ 33%. Il n'y a pas eu d'explosion de joie. Est-ce que c'est la joie qui prime ou est-ce qu'il y a une déception? D'aucuns vous voyez autour de la barre des 40%, voire même certains élus dès le premier tour. Non, ça c'était exclu. Au premier tour, il fallait 25% des inscrits. C'était totalement impossible. Non, moi je considère que nous sommes à la mi-temps. Moi je n'ai jamais vu d'explosion de joie ou de tristesse à la mi-temps d'un match. Moi, la citadelle a bien tenu. On a fait les voix qu'on devait faire malgré le fait que nous avions quand même 11 concurrents, dont certains ont eu une opposition féroce contre moi. Certains ont fait des campagnes démesurées. Bon, peu importe, ils ont pas franchi la barre, vous l'avez vu. Ils n'ont pas réussi à convaincre. Nous avons réussi, nous avons tenu nos positions, ça c'est très bien. Maintenant, moi j'appelle les gens à se mobiliser. Nous avons besoin d'être forts au deuxième tour, nous avons besoin d'être forts pour pouvoir faire des discussions utiles à Paris, parce qu'il y a, n'oublions pas, des discussions à mener. La Corse a besoin d'avancer sur le plan économique, social et culturel, et donc il faut que nous soyons forts. Alors vous aviez quand même des bastions nouveaux depuis les dernières municipales, Bégoulia, vous aviez aussi renforcé avec Fouriane, il y avait en partie aussi la commune de Luciane dans le Cap Corse, Cisco, Lourdes. Est-ce que malgré tout, ça ne reste pas un résultat qui est un petit peu décevant? Il est sensible à celui que vous aviez fait en 2017? Non, en 2017, la conjoncture était différente. Nous avions un bloc uni. Cette fois-ci, nous partions tout seuls. Quand même pas pareil. Et malgré ça, nous faisons le même score. Donc ça veut dire quoi? Et malgré le fait aussi qu'il y a moins de votants.
Donc, moi, vous ne me ferez pas dire que c'est un résultat décevant. C'est un résultat qui est ce qu'on pouvait attendre de très positif. Justement, la famille nationaliste était divisée. Pedranto Tomás est un petit peu plus loin. Il recueille environ 7% des voix. Est-ce que vous allez lui tendre la main pour le second tour? Moi, je tends la main à Tomás et je tends la main à tous les démocrates, à tous les démocrates, à tous ceux qui ont envie que la Corse avance. Vous savez très bien que nous sommes dans une situation sociale qui n'est pas bonne, une situation sur le plan économique, social, culturel, qui pose vraiment de réels problèmes, de très réels problèmes. Il va falloir avancer. Donc moi, j'appelle tous les démocrates à se rejoindre, pas pour me faire plaisir, mais pour essayer que nous pesions au maximum à Paris pour avancer, parce qu'on a besoin d'avancer, la Corse a besoin d'avancer, et ça c'est la priorité de cette élection. Une question sur la participation, Michel Castellani. Seulement 41% ici dans la première circonscription de Corse, c'est de loin celle où la participation est la plus basse parmi les quatre circonscriptions insulaires. Juste un élément, en 2012 on était à 60% de participation dans cette même circonscription au premier tour, encore 47% il y a 5 ans. Comment est-ce que vous expliquez ce chiffre aussi bas? Est-ce qu'il n'y a pas une défiance aussi peut-être vis-à-vis de Famagouri? Non, je crois que c'est un phénomène général. Les gens, n'oubliez pas, ont encaissé des crises successives. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu ensuite, vous le savez, cette catastrophe du Covid. Il y a maintenant une guerre en Europe, les gens sont inquiets. Et les gens, malheureusement, dans une démocratie, ne cherchent pas le salut dans le suffrage universel, beaucoup de gens. Et donc, s'abrite dans l'anti-parlementarisme. Ça, c'est très, très mauvais pour une démocratie. C'est à nous d'être plus rayonnants, c'est à nous de convaincre les gens qu'il faut participer, que nous avons bien de la chance de vivre dans une démocratie. Une dernière question sur votre collègue et ami Jean-Félix Accoyer, qui semble plus en difficulté dans la seconde circonscription de Haute-Corse. Sortant, pourtant, il serait derrière, en tout cas, François-Xavier Tchécoli, très proche. Comment est-ce que vous interprétez ce résultat qui est pour le moins inattendu? Je ne connais pas le résultat des autres circonscriptions, mais par contre, ce que je sais, c'est que avec Jean-Félix et Paul André, nous avons formé une équipe, je pense efficace, qui a posé toutes les questions corses là où il fallait, et pas seulement les questions corses, les questions de la société française aussi, de la construction européenne et d'autres sujets. Et donc, moi, je souhaite ardemment que nous reconstituions cette équipe, parce qu'elle a été quand même efficace. Merci Michel Castellani d'avoir répondu à nos questions, alors qu'ici, vous voyez, autour dans la mairie de Bastia, il n'y a quasiment plus personne. Merci Pierrick, et n'oubliez pas d'inviter Michel Castellani sur ce plateau un petit peu plus tard dans cette soirée. Je vous propose de redécouvrir notre estimation pour la deuxième circonscription de Haute-Corse qui place effectivement François-Xavier Tchécoli en tête avec 32%. Il devance le sortant Jean-Félix Accoyer avec 31,3%. Lionel Mortigny est crédité d'un peu moins de 16%. Suivent Jean Card et les autres candidats. Donc c'est la surprise. À 7h, attention, ce sont des estimations encore, mais ce serait la surprise de ce scrutin en Corse. Jean-Félix Accoyer va devancer par François-Xavier Tchécoli, ce qui tendrait à induire que la droite revient un petit peu dans ce paysage politique corse, en Haute-Corse en particulier. Et le meeting de Moriane, encore une fois, avait été une image saisissante à cet effet. On rejoint Frédéric Danèse du côté de Corté, en plein cœur de cette circonscription continent qui va de la Balagne au centre Corse à la plaine orientale. Et je crois, Frédéric, que vous êtes avec Paolo Zantobarigi, le sénateur de Haute-Corse. Effectivement, Laurent, nous sommes devant la permanence du député sortant, Jean-Félix Accoyer, qui n'est pas encore arrivé. Il a attendu les résultats dans sa commune de Lourdes. Il est en route, nous l'aurons dans quelques instants ou plus tard dans une heure en direct avec nous. Mais vous l'avez dit, parmi ses soutiens, Paolo Zantobarigi, le sénateur. Bonsoir à vous. Alors, ce qui s'apparente, même si les résultats ne sont pas encore définitifs, à la grosse surprise, c'est-à-dire que Jean-Félix Accoyer arriverait en deuxième position derrière François-Xavier Tchécoli. Est-ce que ce sont des résultats que vous pouvez corroborer? Je ne pense pas, ce ne sont pas de bonnes informations. Au moment où je vous parle, selon les résultats que l'on a nous sur notre permanence de pointage et même ceux de la préfecture, nous sommes devant d'un millier de voix. Un autre fait majeur, ça a été dit au cours de cette émission, c'est aussi l'abstention. Comment est-ce que vous expliquez cette abstention, notamment ici à Corté et dans l'ensemble de la circonscription? Elle est de 52%, c'est tout de même plus de 5 points de plus par rapport à 2017. C'est énorme. C'est énorme, effectivement, on s'aperçoit qu'il a été très dur de mobiliser, bien sûr, hein, mais je crois qu'elle n'a pas profité, effectivement, au candidat sortant. Mais pour ce qui concerne le second tour, je pense que
Jean-Félix Jacobi aujourd'hui possède un grand réservoir de voix, contrairement à M. Ciccoli, qui lui, je pense, a fait le plein au premier tour. Voilà donc, Laurent, ce que l'on peut dire ici depuis la permanence du député sortant que l'on attend maintenant dans les prochaines minutes. Nous reviendrons vers vous dès qu'il sera disponible. Merci, merci Frédéric et merci à votre invité. On note ce qu'a dit Paolo Zandobarigi à 7h pour l'heure des comptes, le décompte de FEM. Il tendrait à infirmer ce que nous disent ce que nous dit notre partenaire Ipsos Soprasteria, à savoir que François-Xavier Tchekol est en tête de ce premier tour. Nous verrons au cours de la soirée si cette estimation est corroborée ou pas par les résultats fermes et définitifs. On va rester sur cette deuxième circonscription qui était quand même un enjeu majeur et se rendre du côté de l'île Rousse, la sphère d'influence de Lionel Mortigny, le troisième homme de ce scrutin dans la deuxième circonscription de Haute-Corse. Et vous nous confirmez, je crois, Jean-André Marcagne, que sur l'île Rousse, c'est Lionel Mortigny qui est arrivé en tête. Exactement, Laurent, on a eu de cesse de le répéter tout au long de nos journaux d'information pendant les semaines qui ont précédé cette élection. La seconde circonscription de Haute-Corse est la plus vaste, la plus grande, et donc, selon le territoire dans lequel on se trouve, la tendance globale n'est pas forcément confirmée. C'est ce qui se passe ici en Balagne, et plus précisément au niveau de l'intercommunalité Lille-Rousse-Balagne, dont il est le président. C'est Lionel Mortigny qui arrive évidemment en tête. Un petit peu plus surprenant, c'est Lionel Mortigny qui arrive en tête ici même à Lille-Rousse. C'est une demi-surprise, puisque Lionel Mortigny est originaire d'Île-Rousse. Mais aussi parce que la mairesse de la commune, Angèle Bastiani, conseillère exécutive et donc membre de la majorité territoriale, a fait campagne pour Jean-Félix Acquavive. Lionel Mortigny arrive donc en tête sur son intercommunalité de l'Île-Rousse-Balagne, en arrivant en tête dans les plus importantes communes de cette intercommunalité. Un petit peu plus loin, toujours en Balagne, sur l'intercommunalité Calvi-Balagne, ça a été un petit peu plus compliqué pour Lionel Mortigny. Ce sont les deux autres gros candidats de la seconde circonscription de Haute-Corse qui se partagent le gâteau, si j'ose dire. À Calvi, d'abord, François-Xavier Tchekol, il le disait tout à l'heure, il fait une remarquable élection avec plus de 1000 suffrages qui portaient son nom lorsque le deuxième, son dauphin, Jean-Félix Acquavive, ne dépasse pas la barre des 500 sur les villages de cette intercommunalité Calvi-Balagne, Calenzane, Galeria ou encore Moncal. Et c'est Jean-Félix Acquavive qui est en tête. Donc Lionel Mortigny a su, même s'il n'est pas pour l'instant qualifié au second tour, a su confirmer son implantation sur ces terres. Il est d'ailleurs en route à l'heure où je vous parle pour descendre de son village de Belgaudière pour nous rejoindre et pour avoir une première réaction dans quelques minutes, j'espère. Merci, merci Jean-André. On reviendra effectivement de votre côté dans quelques minutes. Et pour corroborer ce que vous disiez sur Calvi, François-Xavier Tchekol est aussi en tête du côté de Guizonach. Et juste derrière Jean-Félix Acquavive, du côté de Corté, trois municipalités de droite qui visiblement ont fait le choix aussi de François-Xavier Tchekol, même si, on le répète, à Corté, c'est Jean-Félix Acquavive qui est en tête. Mais encore une fois, attention, attention, l'estimation est très ténue. Les chiffres qui nous parviennent petit à petit des communes tendent à corroborer cette estimation. Mais à l'instant, Paolo Zantoparigi, le sénateur de Haute-Corse, nous disait qu'il n'était pas d'accord avec cette estimation. Donc on attend de l'affiner au cours de cette soirée, Marianne, parce que jusqu'alors, c'est un petit peu la surprise de ce scrutin. Tout à fait, Laurent. Et intéressons-nous à présent à la première circonscription de Corse du Sud, dans laquelle, je vous le rappelle, c'est le maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli, qui sortirait en tête selon les premières estimations. Et Romain Colonne, le candidat de la majorité territoriale, le candidat nationaliste, serait donc en duel dimanche prochain face à Laurent Marcangeli avec un score de 17,6%. Je vous propose tout de suite d'écouter la réaction de Romain Colonne après l'annonce de ses estimations. Il y a un long travail de rassemblement qui débute parce qu'on peut voir aussi que le second enseignement aussi, c'est qu'il y a un rejet finalement majoritaire des soutiens d'Emmanuel Macron, d'Édouard Philippe qui était défendu par le maire et président de la CAPA, Laurent Marcangeli aujourd'hui. Alors certes, il arrive devant, mais on voit bien qu'il est minoritaire sur son projet avec l'ensemble des candidats. Et donc moi, je suis très heureux d'être au second tour et maintenant, je vais me battre jusqu'au bout pour porter les couleurs d'un nationalisme démocratique, ouvert, de toutes les forces progressistes. Et dans cette première circonscription de Corse du Sud se jouait un duel entre nationalistes, puisque un autre candidat de cette famille politique était en lice, Jean-Paul Carolage. Il arriverait ce soir en quatrième position avec 12,3% des suffrages. Je vous propose de l'écouter. La réaction de la déception, évidemment, puisqu'on pensait qu'on pouvait arriver second. C'est vrai que
les nationalistes dans leur ensemble font à peu près 30%, ce qui était prévu. Donc moi je fais 12,5% et Romain Colonne ferait 17,5%. Le score de Laurent Marcangeli aux alentours de 34%. Le score n'est pas très élevé, hein, avec le peu d'électeurs qui se sont déplacés, on aurait pu penser qu'ils mobilisaient plus. 34%, c'est, pour le maire d'Ajaccio, ce n'est pas une belle élection. Et maintenant, direction Porto-Vecchio pour retrouver François-Albert Bernard qui est aux côtés du député sortant Paul-André Colombani qui arriverait ce soir en tête de ce premier tour. Non, François-Albert Bernard qui est aux côtés de Jean-Christophe Angelini, maire de Porto-Vecchio. Exactement, avec Jean-Christophe Angelini, vous l'avez dit, maire de Porto-Vecchio, justement. Porto-Vecchio ce soir où Paul-André Colombani, le député sortant, arrive largement en tête. Comment vous voyez ce score ce soir? Ben écoutez, comme la confirmation d'un bilan, d'une perspective, d'un ancrage et aussi d'un tempérament qui a suscité et remporté une adhésion populaire massive. Donc pour ma part ce soir, en tant que militant et ami, mais également en tant que maire de Porto-Vecchio, je suis très heureux de ce qui est en train de se passer. Dans la région, globalement, est-ce que c'est la même chose? Oui, c'est la même chose partout. Paul-André est en tête, je crois, dans 9 communes sur 10, en proportion. C'est beaucoup plus dans la réalité. Donc oui, il y a véritablement une lame de fond dans tout l'extrême sud, le Sartenay, le Valinque et au-delà, dans une très très grande partie de la Circo. Donc oui, Paul-André a confirmé, il est ce soir le nationaliste le mieux voté, à défaut d'être déjà le mieux élu de la circonscription, à près de 40%, 38% je crois. Et il est largement soutenu par des communes qui ne sont pas nationalistes, ainsi que par celles, bien sûr, qui nous suivent depuis longtemps. Donc un résultat très fort. À Porto-Vecchio, ici, il fait 600 voix de mieux qu'en 2017, et surtout la droite fait 1500 voix de moins. Donc quand on s'interroge sur la participation en ville, il faut d'abord interroger la capacité de mobilisation des autres camps. La nôtre a été pleine, elle va être plus forte encore dimanche prochain, et j'appelle d'ores et déjà les Porto-Vecchiens et au-delà, l'ensemble des habitants de la Circo a confirmé le résultat de Paul-André. À Porto-Vecchio, il y a quand même une grosse marge de manœuvre. Il y a 2/3 des électeurs qui ne sont pas venus voter aujourd'hui. C'est quand même alarmant comme situation. C'est à l'image de ce qu'on voit sur la Circo et plus généralement de ce que l'on peut constater par ailleurs. On fait effectivement 9 points de moins qu'en 2017. On avait déjà une participation assez basse, à 45%. On est là autour des 36%. Donc oui, il y a un motif de mobilisation. Mais je le redis, c'est davantage dans d'autres camps que dans le nôtre, puisque Paul-André en 2017 faisait 1300 voix et qu'il en fait ce soir près de 1900. Donc de notre point de vue là, les choses sont claires, mais vous l'avez dit et c'est vrai, il faut qu'on aille au-delà, et c'est mon objectif, des 50% de participation dimanche prochain et que Paul-André confirme, et bien là encore, le résultat qui était le sien ce soir. Les autres circonscriptions, globalement, les nationalistes, dont un pourrait être deuxième ce soir au premier tour. Qu'est-ce que vous pensez des scores des autres nationalistes dans les autres circonscriptions, des amis finalement du député Colombani? Je pense que les amis du député Colombani ont quelque part des résultats qui sont analysés froidement. Il y a, je le redis, un score qui pour lui est le plus haut et qui déjà interroge. La question, elle est simple. Lorsque les nationalistes sont unis, ils sont en tête et craignent dynamique. Lorsqu'ils sont divisés, ils interrogent, ils inquiètent, voire même ils se mettent en difficulté. C'est dommage, mais vous le savez, ça n'est pas de notre fait. Il est trop tôt pour l'analyser plus finement encore. Mais ce soir, ce que je veux saluer, c'est le score de Paul-André et plus généralement l'engagement de celles et ceux qui ont voté national pour tous les candidats investis aux quatre coins de l'île et qui ont été encore une fois des dizaines de milliers divisés mais unis dans une communauté d'idées, de pensées et je l'espère demain de stratégie, même si à ce soir malheureusement ça n'est pas encore le cas. Vous pensez que le triptyque qu'il y avait à l'Assemblée jusqu'à maintenant pourrait être modifié finalement? Je ne sais pas, c'est aux électeurs qu'il appartient de le dire. Une chose est certaine, c'est qu'il y a un travail important qui a été réalisé. Paul-André, pour sa part, y a contribué très largement. Donc nous voulons continuer, amplifier, surtout au moment où, vraisemblablement, des discussions sur l'autonomie devraient s'ouvrir à la fin du mois. Ce n'est pas le moment de lâcher la proie pour l'ombre. Et comme l'a dit Paul-André tout au long de la campagne, pour parler d'autonomie, il vaut mieux avoir un autonomiste que quelqu'un, on le sait, qui est viscéralement opposé. Donc oui, un engagement fort, un engagement plein, un engagement qui va au-delà des frontières politiques et électorales du nationalisme, et la claire volonté, non pas simplement de faire réélire un militant du PNC, mais un nationaliste qui n'a pas démérité et qui aujourd'hui véritablement suscite une adhésion forte qui va aller crescendo. Merci beaucoup. Merci.
Merci beaucoup François Albert et on vous retrouvera bien sûr au cours de la soirée. Direction maintenant Ajaccio où le maire de la ville, Laurent Marcange, est arrivé ce soir en tête selon les premières estimations dans cette première circonscription de Corse du Sud. Laurent Marcange qui est aux côtés, vous le voyez, de Dominique Moret. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Marianne, et oui, nous sommes avec Laurent Marcangeli. Bonsoir, alors vous, on parle d'estimation pour l'instant, mais vous réaliseriez 34% sur la circonscription, 36,5% à Ajaccio, les résultats sont presque définitifs. Une première réaction. D'abord, la satisfaction d'être en tête et de la gratitude pour celles et ceux qui, dès ce premier tour, m'ont apporté leur soutien. Il y a un second tour, nous allons véritablement l'affronter avec humilité mais détermination. Nous allons parler des sujets qui intéressent celles et ceux qui votent. Pouvoir d'achat, l'éducation, la sécurité, l'écologie. Il y a un certain nombre de sujets que nous n'avons pas pu véritablement aborder à 12 au premier tour. Nous l'aborderons à 2 au second. Alors pour autant, votre équipe de campagne disait sotto-voce, bon, on ne gagnera pas au premier tour, mais on va faire un gros résultat. L'élection, elle est à nous. En 2017, Jean-Jacques Ferrard a réalisé 36% des voix, plus ou moins. Ça veut dire que finalement, le changement de candidat n'a pas apporté un bonus en termes de voix et de suffrage. Bon, je regarde les quatre circonscriptions, je me compare et je me rassure. On disait dans la première circonscription de Haute-Corse que M. Castellane allait gagner au premier tour. On disait que M. Aquavive allait gagner au premier tour. On disait que c'était plié dans la deuxième circonscription de Corse du Sud. Et on voit à peu près que les jeux sont ouverts dans les quatre circonscriptions et que les sortants, pour ceux qui sont sortants, obtiennent un score d'à peu près un tiers des voix. Et moi, je suis celui qui obtient 34% des voix sur cette première circonscription. Il y a un deuxième temps maintenant qui s'ouvre, celui du deuxième tour. Nous allons débattre. Projet contre projet, personnalité contre personnalité. Je pense avoir les compétences requises pour être député de la première circonscription de la Corse du Sud. Je pars avec une étiquette, et ça a été posé comme question à de nombreuses reprises, qui était difficile à porter, puisque je suis membre de la majorité présidentielle, et aujourd'hui il y a quand même 34% des gens qui me font confiance. Quand on compare aux résultats du premier tour de la présidentielle, du second tour de la présidentielle, je pense que c'est plutôt à mon avantage. Je suis le seul candidat aujourd'hui en Corse à réussir cet exploit, si je puis me permettre l'expression. Alors pour autant, les deux candidats nationalistes totalisent aux alentours des 30%. Il faudra là aussi vérifier demain, mais ce score-là, c'est beaucoup. Et puis on voit également le Rassemblement national qui s'ancre un petit peu plus. C'était écrit. Vous avez la candidate du Rassemblement national à l'élection présidentielle qui a obtenu un très grand résultat au premier et au second tour dans cette circonscription et dans les trois autres. Donc il y avait une logique implacable. Pour cela, moi, ce que je remarque aujourd'hui, c'est que sur cette circonscription et sur les autres, la majorité territoriale n'est pas aussi forte qu'elle ne peut l'être sur les élections territoriales. C'est un constat. C'est un constat aussi qu'il faut poser tranquillement à Bastia, à Corte-Balagne, à Porto-Vec, mais également ici sur la première circonscription de la Corse du Sud. Aujourd'hui, nous sommes sur un premier tour. Nous avons un deuxième tour dans une semaine. Moi, je vais l'affronter avec détermination. Moi, je veux parler aux gens. J'ai pas envie aujourd'hui d'être sur du commentaire. La politique souffre malheureusement trop de cela. Les hommes politiques n'ont pas à commenter. Ils ont à être acteurs, ils ont à parler à celles et ceux qui font l'élection, c'est-à-dire les électrices et les électeurs. Et surtout, ce que je remarque encore avec beaucoup de déception, c'est que le premier parti, c'est pas moi, c'est pas M. Colonne, c'est pas M. Carolatch, c'est l'abstention. Et c'est le cas dans beaucoup de circonscriptions, ici en Corse, mais également sur le reste du territoire. Donc il faut aller convaincre les gens de se rendre aux urnes la semaine prochaine. Alors vous êtes également le leader de l'opposition aux nationalistes à la collectivité territoriale. Valérie Bodz y arrive seconde dans la deuxième circonscription. François-Xavier Tchéco, qui un temps aurait pu être avec vous, mais qui est maintenant de la droite, qui s'oppose à la majorité présidentielle, arrive premier. Quelle analyse est-ce que vous en faites de cette famille de droite qui finalement résiste ? Nous avons des parcours qui divergent parfois et qui diffèrent, mais je pense que dans ces territoires qui sont les nôtres, vous avez quand même la personnalisation qui compte. Vous avez des hommes et des femmes qui, à travers leur parcours, arrivent à fédérer plus que d'autres. Juste un détail, peut-être on vient d'avoir un résultat définitif. Jean-Félix Acquahue est devant François-Xavier Tchéco, mais pour autant, il totalise François-Xavier Tchéco le 29% des voix. Voilà, je pensais que le score qui avait été donné au début sur l'antenne me paraissait peut-être différent de ce qu'allait être au final, mais c'est un score d'estime. M. Tchéco est un chef d'entreprise connu et reconnu, c'est un homme sérieux, c'est un homme intègre. Il réussit un score qui est aussi lié
à sa personnalité, à sa capacité personnelle à mobiliser. Et c'est pareil à peu près partout. Aujourd'hui, si on n'était que sur les étiquettes politiques, je ne serais pas en tête sur cette circonscription. Et M. Tchekol n'aurait pas réalisé le score qu'il a réalisé pour prendre celle de deuxième de Haute-Corse. Donc voilà, il faut attendre maintenant ce second tour avec... Quel rôle voulons-nous avoir dans le cadre des négociations qui vont avoir lieu? Est-ce qu'on va être dans un rôle d'opposant systématique? Est-ce qu'on va être dans un dialogue de sourds, comme cela a été le cas pendant 5 ans, avec d'un côté l'État qui ne répond pas comme il devrait le faire, et d'un côté la majorité territoriale nationaliste qui n'agit pas comme elle devrait le faire? Moi, je ne vais pas prendre d'ordre ni à Paris, ni dans le bureau de Gilles Siméogne. Je sais que celui qui est aujourd'hui mon opposant pour ce second tour est un second de M. Siméogne. Moi, je ne suis le second de personne. En revanche, à l'échelle nationale, là aussi, on parle d'estimation, 25% pour la majorité présidentielle, 25% pour la NUPES. Vous êtes un proche d'Édouard Philippe. La majorité présidentielle, elle pourrait ne pas être présidentielle, finalement. C'est dire à quel point le combat était difficile. Je réalise près de 10 points de plus que le score national de la majorité présidentielle. Il faut prendre des choses avec ce qu'elles sont, dans un territoire où il est très difficile de porter cette étiquette. Donc moi, je dis aux celles et ceux qui pensent que le travail que j'effectue depuis maintenant une dizaine d'années est bon, de voter pour moi au second tour, de me faire confiance, de vouloir faire confiance à la paix et au projet pour la Corse. La paix parce qu'elle est indispensable, je suis porteur de ce projet de paix, et le projet parce qu'il faut aussi une stratégie pour ce territoire, et que si le gouvernement n'en a pas une, et si la Corse n'en a pas une, on ne va pas avancer beaucoup dans les 5 prochaines années. Laurent Marcangeli, merci, et voilà, le maire d'Ajaccio qui va dans un instant descendre prononcer les résultats définitifs de la ville. Merci beaucoup Dominique et merci à votre invité. Et on va tout de suite prendre la direction de Bastia pour retrouver Laurent Vincenzi. Et Laurent, dans la deuxième circonscription de Haute-Corse, un changement de taille. Nous vous donnions tout à l'heure, selon nos estimations, François-Xavier Tchekol, le candidat de droite en tête de ce scrutin. Et finalement, c'est le sortant Jean-Félix Acquaviva qui arriverait ce soir en tête d'une courte tête. Il devancerait François-Xavier Tchekol avec un score de 33,46%. Effectivement, notre estimation était un petit peu erronée de quelques points. Paolo Zantoparis, je l'avais dessiné un petit peu en faisant remonter les résultats des différentes communes, en disant que c'était bien Jean-Félix Acquaviva qui était en tête. On était assez circonspect quant à cette estimation. On l'a souligné à de multiples reprises et je peux vous donner désormais les résultats définitifs dans cette deuxième circonscription de Haute-Corse. Écoutez bien, c'est Jean-Félix Acquaviva, le député sortant, fais-moi Gourciga, qui arrive en tête avec 33%. François-Xavier Tchekol, 29,06%, qui réalise un très très bon premier tour malgré tout. Et Lionel Mortigne, avec 18% des suffrages exprimés, est le troisième homme, mais ne pourra pas prendre part à ce second tour, quoi qu'il advienne, quoi que son choix ait été, puisqu'il réalise 5736 suffrages exprimés. Il fallait atteindre 8500 voix pour atteindre la barre des 12,5 qu'il faut pour accéder à cette triangulaire. Je crois que Jean-André Marquiagne est en passe de pouvoir interviewer Lionel Mortigne, qui est sans doute un petit peu déçu par ce premier tour. Quel est son sentiment ? Eh bien, on va lui demander tout de suite, Laurent, puisque vous me l'avez dit, je ne suis plus seul sur le parvis de la mairie d'Île-Rousse. Lionel Mortigne m'a rejoint. Bonazer, Ringrazia Bélé Segunoy. Donc, Laurent le disait il y a un instant, finalement, c'est Jean-Félix Acquaviva, selon les derniers résultats qui nous parviennent, qui passera en tête sur cette seconde circonscription de Haute-Corse, suivi de François-Xavier Tchekol. Vous arrivez, vous, sur la troisième marche du podium, vous ne serez pas au second tour. Votre réaction ce soir ? Déjà, c'est de remercier l'ensemble des électeurs qui m'ont fait confiance, remercier évidemment ma famille qui m'a suivi, notamment ma femme et mes enfants dans cette aventure qui a été quand même assez pénible pour eux. Et évidemment mon binôme, Marie-Françoise Stramine, que je remercie de m'avoir suivi dans cette aventure. Je ne suis pas au deuxième tour. Alors évidemment, quand on part pour une élection, on essaie d'être au plus haut. J'aurais souhaité être plus haut et être au deuxième tour. Aujourd'hui, les électeurs ont fait le choix. Maintenant, en conscience, je vais me déterminer pour dimanche prochain. Évidemment, après discussion avec l'ensemble des personnes qui m'ont suivi et qui m'ont fait confiance pour aujourd'hui. Alors, je le disais il y a un instant avant que vous arriviez, le motif de satisfaction, de consolation peut-être, c'est que vous arrivez en tête ici à Île-Rousse et même plus globalement sur votre intercommunalité, l'Isola-Valagne, celle que vous présidez.
C'est pas spécialement une surprise parce que dans la proximité, je suis un élu de proximité, ce qui compte c'est le travail. Pas une surprise mais une consolation. C'est pas une consolation parce que je ne suis pas parti dans une élection pour mon interco mais sur l'ensemble de cette province qui est là où Gisemont. Et donc aujourd'hui, je ne suis pas dans la consolation. Certains ont voulu faire des référendums, d'autres ont voulu municipaliser ou faire des élections territoriales. J'étais absolument pas dans ce calcul. Je rappelle que je ne suis pas candidat à la mairie d'Île-Rousse et que je ne le serai jamais. Pour rassurer certains qui ont fait campagne là-dessus, les choses sont extrêmement claires. Mais d'un autre côté, évidemment, sur la communauté de communes, je ne me laisserai pas faire non plus. Et si certains ont déjà fait des choix quant à la future gestion, nous serons extrêmement vigilants. Une dernière question très rapidement. On voit que François-Xavier Tchekoli et Jean-Félix Accoyer sont très proches. Qu'est-ce que vous allez faire de vos 5000 voix très rapidement? Moi, je ne fais rien de mes 5000 voix parce qu'elles ne m'appartiennent pas. Ce sont des nationalistes et des gens de gauche qui m'ont voté. Nous avons contesté un certain nombre de méthodes. Nous n'avons pas été élus en tant que nationalistes pour faire ce qui était fait pendant des années. Aujourd'hui, nous l'avons contesté et nous avons des discussions à avoir avec l'ensemble des nationalistes, notamment de la majorité, pour savoir comment aujourd'hui nous allons changer les choses, les faire évoluer, parce qu'il faut les faire évoluer. Hors de question de continuer avec cette méthode. Merci beaucoup Lionel Mortine pour cette première réaction ce soir. Voilà, Lionel Mortine qui ne prend pas complètement position pour ce second tour. Il veut discuter avec ses électeurs et notamment aussi avec FEM ou pour les futurs rapports de force politique. On se dirige tout de suite vers Corté avec Frédéric Danès qui est avec Jean-Félix Accoyer, le député sortant qui un temps a été placé en seconde position par notre estimation Ipsos Soprasteria et qui finalement est bien en tête à l'issue des résultats complets et définitifs. Il est avec vous, Frédéric Danès. Oui, Laurent, il est enfin arrivé, dirons-nous, il était attendu par ses soutiens. Vous avez été fêté, applaudi. Est-ce que pour vous, c'est réellement une victoire lorsque l'on sait que désormais, Laurent le disait, seulement 4 petits points vous séparent de François-Xavier Tchekoli? Écoutez, je crois pouvoir dire que dans cette élection, j'étais un petit peu la cible, comme reprenaient certains hebdomadaires, et l'homme à abattre, parce que je représentais la majorité territoriale et le président du conseil exécutif. Je crois que malgré cela, malgré les propos très acerbes de certains concurrents, malgré la défiance, malgré l'union de forces coalisées qui n'avaient rien à voir entre elles en termes de projet, mais qui se retrouvaient dans le projet d'être tout sauf à quoi vivre, j'arrive en tête, nous arrivons en tête, avec près de 34% des suffrages, 33,5 je crois, avec 4 points d'avance. Évidemment, c'est une satisfaction. Parce que ça veut dire que nous sommes solides, ça veut dire que le projet que nous avons porté a été compris aussi dans ce premier tour. Maintenant, il est évident qu'il y a une abstention qui est très forte. Ça veut dire qu'il va falloir parler à des gens qui ne se sont pas déplacés au premier tour. Ça, c'est l'objectif numéro un, rassembler les Corses qui ne sont pas rendus aux urnes, qui peut-être pensaient que les jeux étaient faits d'avance ou que l'élection n'était pas importante. Et puis parler aux autres nationalistes, bien évidemment, mais aussi aux autres Corses qui sont portés sur d'autres candidats, parce qu'il y aura projet contre projet à ce second tour, et le nôtre, c'est le camp de la Corse. Vous avez fait campagne sur votre bilan, justement, vous devez aller convaincre certainement au-delà de votre famille. Qu'est-ce qu'il va falloir changer dans le logiciel ? Changer de logiciel, je ne sais pas s'il faut changer de logiciel puisque nous sommes arrivés en tête. Néanmoins, il va falloir expliquer, faire œuvre de pédagogie et montrer que nous sommes toujours sur ce projet où le peuple corse, ce ne sont pas que les nationalistes, ce sont d'abord les nationalistes, mais aussi les autres qui ne veulent pas voir une Corse en proie à la spéculation foncière immobilière, qui veulent une Corse autonome et fière de son identité, qui veulent une Corse inscrite dans la Méditerranée, qui défend son environnement et sa culture et ses racines. Donc je crois que c'est ce projet-là, aujourd'hui, avec une vraie stratégie. La stratégie, c'est refaire un groupe Liberté et Territoire autonome. Ce n'est pas se raccrocher à une écurie parisienne pour exister, mais un groupe autonome, charnière, d'autant plus si demain la majorité présidentielle est contrainte à la majorité relative. Est-ce que vous allez entamer des pourparlers avec notamment Lionel Mortigne? On sait que les rapports étaient un peu tendus entre vous. Aujourd'hui, concrètement, voilà, est-ce que vous allez tenter, vous, de votre côté, peut-être un rapprochement avant ce second tour? Écoutez, notre éthique, c'est d'être clair. Autonomie, démocratie, défense d'identité, la culture. Donc on va s'ouvrir à tous ceux qui veulent discuter avec nous. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'y a jamais eu aucun problème avant. Avant le premier tour, il n'y en aura pas. Après, parce que ce qui compte, c'est l'intérêt général de la Corse et de son peuple. Et il est évident qu'on va se concerter avec la majorité territoriale, avec le président. Vous ne fermez pas la porte, en tous les cas, à des discussions avec Lionel Mortine. On ne ferme aucune porte, par principe, par nature, et encore moins d'autres nationalistes, puisque ça a toujours été notre façon de fonctionner. Et il n'y a d'autres Corses qui veulent venir sur ce projet clair. Je crois que nous avons une bataille à mener, c'est projet contre projet. Et c'est ça qui commence aujourd'hui, donc il va falloir discuter avec toutes les forces vives. Voilà Laurent pour la première réaction de Jean-Félix Accoyer qui, vous le rappelez, est donc sorti en tête de ce premier tour à l'issue d'un premier tour relativement disputé.
effectivement avec 33%. Jean-Félix Acquaviva arrive en tête de ce premier tour dans la deuxième circonscription de Haute-Corse. 3 points de moins qu'en 2017 en dépit d'une participation plus faible. Sachez que nous avons tenté de joindre le président de l'exécutif Gilles Simeoni pour qu'il réagisse à ses premiers résultats. Pour l'heure, il est à son domicile et il se réserve le droit de communiquer plus avant au cours de la soirée. Mais pour l'instant, pas de communication du président de l'exécutif, Marianne. Merci pour ces précisions, Laurent. On vous retrouve tout à l'heure. Et avant de clore cette première partie, nous sommes en mesure de vous donner les résultats définitifs. Et ce soir, les trois députés nationalistes sortants arrivent en tête de ce scrutin. Et ce ne sont que des duels qui se joueront dimanche prochain, puisque je vous rappelle que pour être au second tour, il faut disposer de 25,5% des votants. Et voyons tout de suite, 12,5% des inscrits, pardonnez-moi. Et voyons tout de suite ces quatre duels dans la deuxième circonscription de Haute-Corse. C'est donc Jean-Félix Acquaviva qui arrive en tête. Il affrontera dimanche prochain le candidat de droite François-Xavier Tchécole. Dans la première circonscription de Haute-Corse, le député sortant Michel Castellagne s'offre une place pour le second tour. Il sera face à Julien Morganti. Dans la première circonscription de Corse du Sud, un duel Laurent Marcangeli, Romain Colonne. Et puis dans la seconde de Corse du Sud, Paul-André Colombagne sera opposé à Valérie Bozzi. Voilà, on marque une courte pause et on se retrouve tout à l'heure dès 21h15 en compagnie de nos premiers invités. À tout à l'heure.